Shalom, shalom les saints et les saintes, bon après-midi à vous. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà cet après-midi, je vous apporte cette recette, ce bain que vous allez faire avec les clous de girofle. Déjà, vous savez, depuis la nuit des temps, les clous de girofle ont toujours été utilisés dans des civilisations, sur le plan spirituel ou même dans le domaine culinaire pour pouvoir aromatiser nos vies, pour pouvoir ajouter une saveur à nos vies. Ce que je viens partager avec vous cet après-midi, c'est pour apporter une grande lumière, une abondance dans la vie des personnes qui vont utiliser ces deux petits secrets naturels que je vais vous donner avec le clou de girofle. Ceci va accélérer tout ce que vous allez entreprendre. Ceci va attirer beaucoup les personnes vers vous dans vos activités si vous avez commencé des choses qui sont en cours, où vous programmez de commencer des choses, où vous avez déjà une activité que vous avez démarrée, faites ceci, ça va accélérer les choses, ça va booster vers le positif tout ce que vous allez commencer. Voilà le premier truc que vous allez faire avec le clou de girofle. Prenez trois clous de girofle, écrasez trois clous de girofle entiers, mélangez dans votre huile pour vous oindre. Vous allez régulièrement utiliser cette huile-là pour vous oindre. Mais écrasez vraiment ce clou de girofle-là en poudre. Vraiment, vraiment en tout petits morceaux. En tout petit, vous écrasez bien que ce soit vraiment bien en poudre. Vous mélangez dans votre huile pour vous oindre. Et n'oubliez pas, tout ce que vous devez faire doit s'accompagner par la parole pendant que vous écrasez votre clou de girofle avant de mettre dans votre huile. Vous devez dans votre pensée, même sans parler, commencer à charger ce clou de girofle-là de tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous voulez dégager votre aura, vous voulez nettoyer votre aura, vous voulez être une source d'attirance, comme la nature a donné ce pouvoir-là au clou de girofle, de multiplier, d'attirer, de faire du bien pour les humains, que ce même effet puisse être le partage de votre vie. La deuxième recette que vous pouvez utiliser avec le clou de girofle, cherchez une bouteille d'eau d'un litre et demi. Rajoutez dans cette bouteille d'eau-là 21 clous de girofle. Rajoutez dans cette bouteille d'eau 21 clous de girofle. Laissez poser pendant 3 jours, le quatrième jour, avant de commencer votre bain avec ce mélange des 21 clous de girofle et de l'eau. Mettez dans cette eau-là une petite goutte de votre meilleur parfum. Si vous n'avez pas le parfum en goutte, le parfum en pulvérisateur, ben, mettez une pression de votre parfum dans ce mélange-là, secouez tout et à partir du quatrième jour, commencez votre bain, vous laissez poser pendant 3 jours, le quatrième jour, vous ajoutez un peu de votre parfum dedans. Le soir du quatrième jour, commencez votre bain, ceci pendant 7 jours. Donc chaque soir, avant d'aller vous coucher, mélangez un peu de cette eau-là, de ce mélange-là que vous avez fait. Vous mélangez un peu dans votre seau d'eau de rinçage pour vous rincer le corps chaque soir avant d'aller vous coucher pendant 7 jours. Quand vous finissez tout l'eau dans le mélange au 7e jour, jetez le reste de clou de girofle qu'il y a dans la bouteille à la poubelle. Et également pendant ces 7 jours-là,
N'oubliez pas de lire les psaumes d'abondance, dont le psaume 23, le psaume 37, le psaume 50, le psaume 142. Je répète, le psaume 23, le psaume 37, le psaume 50 et le psaume 142. Vous pouvez lire ces quatre psaumes-là pendant les 7 jours où vous allez être très concentré sur ce bain-là. Ça va vous apporter énormément dans votre vie. Ça va dégager beaucoup de choses négatives dans votre vie à vous. Sachez aussi que les bienfaits de la nature sont immenses. Quand on fait confiance à la nature, quand on se donne à la nature, on obtient toujours tout ce qu'on veut en abondance, parce que la nature elle-même est abondante. Également, pour finir, la dernière chose que vous pouvez faire pour toutes les personnes qui en permanence braquent de l'argent ou marchent avec des espèces, parce que dans certains de nos pays, il y a beaucoup qui marchent encore avec beaucoup d'espèces, même à l'étranger, à l'Occident ou en Amérique, il y a certains qui ont encore beaucoup d'espèces. Vous pouvez prendre juste un petit clou de girofle entier, vous mettez dans une petite poche de votre portefeuille, une toute petite poche de votre portefeuille. Ça permettra que vous puissiez en permanence attirer l'énergie de l'abondance d'argent, parce que ce clou de girofle sera plus ou moins collé, sera proche des billets que vous avez ou des pièces que vous avez dans votre portefeuille, dont ça va représenter comme un aimant qui va attirer en permanence de l'abondance dans votre portefeuille. Voilà, c'est 100% naturel et ça peut vraiment aider, ça peut apporter un plus dans vos vies. Je vais sur ce, cet après-midi, arrêter cette vidéo en vous souhaitant plein de bonnes choses. Beaucoup de succès et d'ouverture encore dans vos vies. J'espère d'ici là, à très bientôt, poster une nouvelle vidéo, toujours pour partager des merveilles de la nature. Shalom, shalom.